Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans cet épisode 32 d'Au coin du Blu-ray. Épisode 32 consacré à la lettre P. Et alors là, j'ai de quoi faire dans la lettre P. Si je devais vous citer un film que j'ai reçu tout récemment et que j'apprécie beaucoup dans la lettre P, c'est Possessor de Brandon Cronenberg. Un film que j'apprécie beaucoup et que je vous conseille de regarder si vous n'avez pas eu l'occasion. Film malheureusement sorti directement en Blu-ray et DVD chez nous, alors qu'à la base, il avait une sortie salle prévue. C'est un peu triste, mais bon, le contexte a fait que c'était pas possible. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de me centrer sur une petite pépite d'animation. Un bijou de cinéma, souvent considéré comme étant le film qui a plus qu'influencé un certain Christopher Nolan pour son Inception, mais qui littéralement aurait été plagié par le metteur en scène américain. Ce que je peux comprendre, même si les deux films n'ont clairement pas la même ambition et surtout pas la même envie de composition cinématographique. Mais en tout cas, l'univers de Satoshi Kon n'a jamais été aussi beau que dans Paprika. Paprika, c'est un film qui m'a transporté la première fois que je l'ai vu, parce que je ne m'attendais à rien. Et j'ai été totalement passionné par le long métrage. Je ne saurais même pas comment vous le résumer. En gros, des scientifiques dans le futur ont réussi à inventer une nouvelle forme de psychothérapie qui permet d'enregistrer les rêves. Sauf qu'une partie de cette technologie a été volée, et le co-créateur de cette technologie va tenter de la retrouver. Je suis même pas sûr que ça rende justice au film que je vous le résume comme ça. C'est tellement un bazar de vous résumer Paprika. Si on devait le résumer plus simplement, c'est juste l'histoire d'un homme qui va plonger dans un subconscient. À bras-le-corps, littéralement. Et c'est un film que je trouve merveilleux à regarder. Bien au-delà d'être l'un des plus beaux films de Satoshi Kon, qui est un metteur en scène que je trouve fantastique, enfin Perfect Blue, c'est un film déchirant, c'est un des films les plus durs que j'ai eu à voir de ma vie, alors que honnêtement, ça reste un film d'animation, et sur le papier, les films d'animation sont supposés moins nous transporter que les films live, et c'est un film qui m'a déchiré en deux. Millennium Actress est un de ses plus sous-cotés, c'en est terrifiant. Vous savez, quand il est sorti en France, chez nous, il y a 2 ans, et le film a quasiment 20 balais. Ça fout les jetons. Satoshi Kon, c'est un mec qui a vraiment été reconnu en Hexagone qu'après son décès. Ça me fout un peu le seum de penser ça. Bref, Paprika, c'est le film culte de Satoshi Kon. C'est le film que tout le monde cite lorsqu'on parle du cinéaste. Lorsqu'on parle de Satoshi Kon, on évoque souvent soit Perfect Blue, soit Paprika. Les autres... Tokyo Godfather est considéré comme un très bon film, mais pas forcément au niveau de Perfect Blue ou de Paprika. Et Millennium Actress est beaucoup trop sous-coté pour que les gens aient vraiment envie de le citer la plupart du temps. C'est un peu le dernier film de Satoshi Kon dans les classements de la plupart de ses fans. Ce que je trouve un peu dommage parce que ça reste un film extrêmement créatif et je trouve un de ses plus impressionnants en termes d'histoire. Il a quelque chose de tellement particulier et tellement merveilleux dans son imaginaire, mais Paprika est clairement l'un de ses films les plus libres en termes d'imagination. C'est un film qui passe son temps à être créatif, qui passe son temps à nous rappeler qu'il n'y a pas besoin d'avoir une seule idée de mise en scène pour construire un long métrage, qu'on peut en avoir mille et une et toutes les caler dans un seul film. Et il y a ça qui rend le long métrage tout simplement fantastique à regarder. Moi, je ne peux pas m'empêcher à chaque fois que je vois Paprika d'être complètement soufflé par la maîtrise de Satoshi Kon de chaque élément qu'il y a dans son cadre. Et vraiment, c'est hyper dense, Paprika. Je veux dire, vraiment, si vous essayez un de ces quatre de vous plonger dedans, mais alors accrochez-vous, parce qu'il est possible très clairement que la première fois que vous voyez le film, vous ne compreniez rien, ou alors si peu, et ça serait normal. Et pour autant, c'est pas un problème. Ça pète pas l'immersion dans le film, on est complètement pris dedans, et malgré le fait qu'on puisse ne pas comprendre l'entièreté de l'histoire la première fois, c'est ce qui fait la force des films de Satoshi Kon d'ailleurs, c'est que la relecture et le deuxième visionnage du film apporte tellement. C'est un cinéaste généreux, Satoshi Kon. Il vous prend par la main, il vous embarque dans son univers et il vous dit « Ouais, peut-être que la première fois, vous n'allez pas tout comprendre. » Est-ce que pour autant, vous avez trouvé le moment désagréable? Bah, retournez-y. Ça ne coûte rien, si ce n'est un petit peu de temps. C'est exactement ce qu'il nous dit à chaque fois. Et Paprika, moi, je trouve que c'est un de ces moments de cinéma devant lequel on est soufflé par une telle envie, une telle maîtrise, une telle passion.
pourrais vous parler de la bande originale qui est juste parfaite, qui du début à la fin passe son temps à nous balader d'univers en univers avec une immense élégance et une grande subtilité et qui a influencé le monde du jeu vidéo jusqu'à encore aujourd'hui. Je pourrais vous parler des graphismes qui sont tous tellement rondement menés et tellement parfaitement maîtrisés qu'on en est estomaqué du début à la fin. Je pourrais vous parler des doublages qui, peu importe la version dans laquelle vous regardez le film, c'est à chaque fois un pur bonheur et un pur plaisir à regarder. Tout est parfait dans Paprika, tout est parfait. Alors, seul défaut, et je tiens quand même à te préciser, si vous regardez d'un peu plus près, vous vous rendrez compte que ça n'est pas un Blu-ray français. Parce qu'il n'y a pas de Blu-ray français de Paprika. Heureusement, Sony Pictures a édité un Blu-ray sur lequel il y a la version japonaise avec les sous-titres français, ce qui est un pur plaisir. Et il y a également la version française sur ce DVD, enfin sur ce Blu-ray d'ailleurs. Merci Sony d'avoir pensé à nous qui n'avons pas encore d'édition française du Blu-ray de Paprika. Mais ouais, c'est un petit peu triste. Mais du coup, là-dessus, bah, y a très peu de bonus. Ou alors les quelques bonus, ils sont en version originale, sans sous-titres français. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Vous avez quelques trucs sur la création de l'univers, sur le jeu avec la fantasy qu'il y a dans Paprika. Quelques interviews de Satoshi Kon, ce qui, mine de rien, reste très rare. Et un making-of. Alors par contre, le making-of, je vous invite à le regarder. C'est une tuerie. Vraiment, comment ils ont fait le film, c'est un truc de dingue. Mais en tout cas, ouais, faut que vous mettiez Paprika. Si c'est pas encore fait, regardez-le. Et encore une fois, ne vous limitez pas à un seul visionnage si vous ne comprenez pas le film. Deux fois, trois fois, quatre fois, il n'y a pas de limite pour regarder ce film. Tellement l'univers est dense, je pense qu'à chaque fois, on peut relire le film d'une nouvelle manière, l'apprécier d'une manière différente. Et à chaque fois, ça n'est pas du tout déplaisant. Bien au contraire. Regardez Paprika de Satoshi Kon et vous m'en direz des nouvelles. Ainsi s'achève cet épisode 32 d'Au coin du Blu-ray. Encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quel est votre film préféré de Satoshi Kon. Parce que mine de rien, on n'en parle pas assez, je trouve, en France de cinéaste, alors que ça reste quand même un monument de l'animation, beaucoup trop sous-coté chez nous. Donc dites-moi dans les commentaires. Et après, n'hésitez pas à revenir aussi si vous avez vu Paprika pour me donner un petit retour. Ainsi s'achève donc cet épisode. Et n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de ceci. Il y a bien plus de secrets qui se cachent dans une jaquette de Blu-ray.